Qualifiée pour la deuxième fois de son histoire pour les Jeux Olympiques, l'équipe nationale masculine de football du Mali se prépare activement pour ses rendez-vous planétaires. Interné au centre Ousmane Traoré Ousmane Bléni de Kabbalah, l'encadrement technique a ouvert l'entraînement du vendredi 28 juin 2024 à la presse. C'était sous un ciel clément et une pelouse de qualité que la séance du jour s'est effectuée. On lisait beaucoup de détermination sur le visage des joueurs. On cherche. Comment cette ultime phase de la préparation se déroule-t-elle? Ça va, hein? On a entamé la préparation, tout le monde va bien, il n'y a pas de blessure après la saison. On commence doucement, progressivement, pour avoir la forme parce qu'on était en vacances et tout. Ben voilà, l'ambiance est bonne, on prépare bien. C'est d'habitude, en fait, on joue la compétition pas pour jouer, on part pour gagner, pour présenter les pays, et nous on part aux JO pour remporter les médailles, c'est pas pour aller faire le beau ou quoi que ce soit, mais c'est pour aller gagner les médailles et remporter. Actuellement ça va, on se plaint pas, tout va bien, on mange bien, on se repose bien, on a les équipements pour travailler bien, ça va. Ah, franchement, le groupe il se porte bien, il y a une bonne ambiance, on travaille bien et... Voilà, on sera prêt pour les Jeux. Ouais, à peu près. Hein. Après tous les matchs amicaux de préparation, c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu pareil, c'est pour tester l'équipe, c'est pour tester les sensations. Et donc on verra le jour même. Bah franchement, ouais, on a suivi le parcours, on sait très bien que ça arrive en quart de finale et tout. On espère faire mieux parce que voilà, on est une belle génération et ça serait un gâchis de ne pas aller loin à cette compétition. Bien sûr, moi je suis de Paris, j'ai beaucoup d'amis maliens là-bas, j'ai ma famille, etc. Et on sait que les Jeux, ça va être très très spécial à Paris. C'est la deuxième maison, c'est Bamako 2, donc voilà, on sera prêt et on les attend. Non, franchement, on a hâte d'arriver à ce moment-là et on espère que tout va bien se passer, Inch'Allah. Est-ce que vous êtes excité à prendre part aux Jeux Olympiques avec les Aigles 23? Bien sûr, en plus, je viens de Paris. C'est sûr que faire les Jeux en France, surtout à Paris, voilà, c'est excitant. Il y aura ma famille, mes amis, et je trouvais... En France, il y a beaucoup de Maliens, ça fait qu'on sera beaucoup soutenus. Et voilà, là, on se prépare correctement pour faire des bons JO. Très, très bon groupe. Voilà, moi, j'ai connu le groupe au mois de mars, lors de ma sélection contre le Japon. J'ai directement été bien accueilli. Voilà, on travaille bien tous ensemble et on veut tous aller au même endroit. Bon, on a toutes nos chances. Voilà, on sait que si on travaille bien, on fait une bonne préparation, bah, on va aller le plus loin possible. Comment vous trouvez les conditions ici à Kabbalah? Très bien, moi c'est ma première en plus au Mali, voilà, on a très très bien été accueillis, voilà, on a un bon terrain, on mange bien, on a des bonnes conditions pour travailler. Parce qu'on sait déjà que voilà, le peuple malien nous soutient, voilà, j'espère qu'ils seront présents lors de ce tournoi. En tout cas, nous sur le terrain, on va tout donner pour bien représenter le peuple. Sur ce côté, il n'y a pas de problème, nous sommes bien logés, il n'y a aucun problème. Même les nouveaux qui sont arrivés s'adaptent. Et nous avons un groupe vraiment qui vit très bien. Vraiment, c'est des jeunes que vraiment. Ça fait vraiment plaisir d'entraîner ces jeunes-là parce qu'ils sont vraiment là pour un objectif bien fixé. D'abord, faire mieux que le. Faire mieux en 2004, ça veut dire aller en demi-finale et une médaille. C'est notre objectif. Parce que nous avons pour objectif que, quand même de ramener une médaille pour les peuples maliens qui ont tant souffert. C'est un groupe très élevé. Quand vous voyez l'Israël qui est quand même demi-finaliste au niveau de leur catégorie en Coupe d'Europe là-bas. Ils ont quelques jeunes qui jouent à gauche et à droite partout en Europe. Ensuite, il y a le Paraguay, vous le savez, c'est un football solide, technique, fait des petites passes. Et c'est le Sud-Américain. Ça va être trop compliqué. Ensuite, il y a le Japon que nous avons joué il y a quelques mois. Il y a un football asiatique, rapide, fait aussi de vitesse et beaucoup de répétitions de vitesse. Nous savons ce qu'on nous attend. Ben, nous avons joué, nous eu la chance de jouer l'Ouzbékistan parce que l'Ouzbékistan a joué la finale contre le Japon. Le Japon a gagné 1-0.